Comment se défendre contre un ceinturage de face, bras libre, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Si tu souhaites décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la clochette de notification afin de recevoir gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Dans l'hypothèse, on va se dire que vous étiez comme ça. Il veut tenter de vous ceinturer les bras pris, donc il veut me prendre les bras et j'ai eu un réflexe de faire ça. C'est plus cohérent que le câlin. D'accord ? Mais ça existe aux États-Unis, ils mettent des panneaux et tout. Hein. Vous avez pas vu ça ? Câlin gratuit ou je sais pas quoi. Je sais plus, ouais, voilà, c'est ça. Méfiez-vous quand même. Ok. Alors, donc, ici, fais-moi le câlin. Yes. Donc, trois variantes. Tête décollée. Tête collée, une oreille, ici ou l'autre. Ou non, l'autre. À moins que tu aies une oreille sur le front, non ? Non. Ah, ça va. Des fois, on peut être mal formé. Là, et après, la troisième variante, ça sera le front collé. Donc, pour l'instant, tête décollée. Encore une fois, on y va, on l'envoie. Dès que vous tapez, il se détend. Normalement, là, il se détend. Deux frappes sur les oreilles, vous gardez un œil, vous frappez deux fois à la gorge. Un, deux, saisie croisée, génitale, je le pousse. Je regarde à gauche et à droite. D'accord ? Gardez la main forte pour la fin, dans l'idée. Le pouce au contact, le pouce va venir dans l'œil. C'est la main faible. Le bras fort, il est pour finaliser la technique, pour mettre KO entre guillemets. D'accord ? Encore une fois. Un, deux, trois. Tapez et vous prenez la distance. Ça va ? Plus lentement, faites attention qu'il ne vous bouffe pas un bout ou quoi. Après, on peut pas. Voilà, c'est un gourmand. Après, on peut pas tout éviter. Double frappe sur les oreilles. Pas ça, pas avec les doigts, c'est pas ça. C'est ça, écoutez bien. Il y a une pression. Donc ça, ah là, vous mettez KO n'importe quel gabarit. Hein. Voilà, il lâche. Hein. Vous gardez le contact à la deuxième, vous mettez un pouce dans l'œil, vous faites. Non, on n'est pas obligé de crever l'œil, hein. Vous pouvez appuyer, n'appuyez pas dedans. Hein. Juste appuyer, ça fait déjà très mal. Action sur les cervicales. Double frappe en mode archer. Boum, boum. Saisie croisée plus le bras pour pas qu'il vous en colle une. Une frappe génitale. Je le pousse et je prends ma distance, je regarde à gauche et à droite. Dernière fois. 1, 2, 3, 1, 2. Je repousse et je prends ma distance. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.